Salut, suite de la toiture, face avant de la maison. Donc ça avance, mais c'est pas facile au cœur de l'hiver. La météo est pas toujours clémente. Donc là, je suis enfin arrivé à la couverture. Le litelage de ce côté est fini, avec la volige aussi d'ailleurs. Il faudrait que je réussisse à fixer la seconde volige. Mais vu que j'ai pas prévu d'échafaudage des deux côtés, bah c'est pas facile. Enfin bref, faut mettre des échafaudages des deux côtés, faut pas niaiser. J'ai été enquiquiner pas mal de temps avec de l'eau qui coulait là juste au niveau du faîtage. Parce que même avec l'écran sous toiture, ça finit quand même par s'infiltrer. Puis quand c'était couvert que d'un côté, c'était encore pire là. L'écran sous toiture n'était pas de voler de l'autre côté. En même temps, il y a eu d'autres choses de faites. La pentille sur la seconde caravane. La serre numéro 1 qui est en révision. Bon là je fais sécher les bâches pour les ranger ensuite. Il a tellement plu à l'infini que c'était pas possible avant. Alors rendre compte, le toit il est pas super droit. Ça peut se voir. Surtout par là-bas, il n'y a vraiment pas grand-chose entre la fin du liteau et la volige. Je me fais aider par quelqu'un qui a beaucoup d'années d'expérience dans la couverture. Je lui demande plein de conseils et puis il m'aide notamment dans les étapes importantes. D'ailleurs, c'est lui qui soude les gouttières. Parce que la soudure du zinc, c'est un métier, ça. Mais bon, ça c'était dans une ancienne vidéo. J'ai lu beaucoup de bouquins, vu pas mal de vidéos, mais en fait, chaque toiture est différente, surtout dans le bâti ancien. Il faut savoir tricher avec classe. Dans les livres, la toiture est très très droite et dans les vidéos, ça se passe très bien aussi. Par exemple, rien que ça, les chevrons qui sont en plusieurs morceaux, comment savoir ce qu'il faut faire exactement? Comment savoir que le petit bout de faîtage, là, on peut le grignoter à la tronçonneuse par exemple? Bah, c'est écrit nulle part non plus. Bon, ça, c'est moi qui invente des techniques avec des serre-joints à chaque fois, vu que je suis tout seul. Alors, il m'a laissé la carreleuse, le coupe-ardoise. C'est très utile en fait, ça peut se couper autrement les ardoises, mais la machine, ça va vraiment bien. Donc ça coûte assez cher, neuf, vaut mieux se le trouver d'occasion. Donc là on n'a pas eu besoin de se faire un point carré, un espèce de traçage depuis le milieu avec un liteau et des clous pour faire un cercle. On utilise une petite pige à ourne, ça commence légèrement après le chevron. Pour avoir l'ardoise qui dépasse. Ensuite, il faut tracer deux traits. À la suite de ça, il y a deux traits suivants. Et encore deux traits suivants. Faut mesurer, calculer, faire la même chose en bas. Et ensuite, tracer deux traits au cordeau. Ça permet d'aligner les ardoises. Donc, il y a un petit décalage à prendre soit en haut, soit en bas. Et les ardoises seront plus ou moins espacées. On a aussi rajouté un deuxième chevron avec une contrelatte. Pour l'esthétique, surtout. Là, faut être à deux, parce qu'il faut pouvoir le tenir en bas et en haut aussi. C'est quand même lourd, un chevron de 6 mètres. Bon, c'est un espèce d'angle à 32 degrés à la tronçonneuse. Pareil, tous les litos sont coupés à ras. Alors, ce qu'il faut, c'est que les pannes elles sortent bien, mais vraiment beaucoup, et remettent un autre chevron 50 cm d'écart. Et comme ça aurait protégé un peu le mur. Mais bon. J'ai préféré garder les chevrons existants. Donc en fait, je vais le répéter à chaque fois. Mais il faut pas s'enquiquiner. Déjà, mettre un échafaudage des deux côtés. Parce qu'il faut faire le litelage en même temps des deux côtés. Pour arriver à un faîtage le mieux possible. Et ensuite, il va vraiment changer tout, toutes les pannes, tous les chevrons. Tout, tout, tout. Sauf les fermettes de base, on peut les garder et les améliorer selon comment elles sont abîmées.
qu'après on s'embête à faire plein de petits bouts de contrelattes, on sait pas où elles sont, le faîtage est pas droit, il n'y a pas de débord de toiture, les anciens ils ont pas coupé forcément les chevrons au bon endroit. Pareil, l'espacement des chevrons c'est pas 50 cm strict. Donc comme dit dans une ancienne vidéo, faut mettre les fixations plus haut au début et plus bas à la suite, à tracer au cordeau. Là il y a eu deux traits de cordeau de tracé aussi, pour mettre les crochets pointes ici. On voit les ournes là, qui correspondent plus ou moins à ce qu'il y a en haut, à retracer donc au cordeau. Là on a des doublis, des petites ardoises qui seront recouvertes complètement. Alors on peut aussi mettre un litho très très fin, mais pour ça faut être passionné et se le raboter soi-même. D'ailleurs on avait pris une ardoise là pour tracer les traits sur les côtés, en trichouillant un peu à chaque fois. Donc les doublis dans cette situation, ils sont coupés comme ça, avec bien l'ardoise au bord. Ça n'a pas d'importance dans quel sens on les coupe, parce que finalement ils sont cachés complètement. Par contre pour les demi des bordures, ça c'est très important de prendre le bon sens. Alors généralement on pose les ardoises avec l'éclat vers le ciel. Sinon ça fait idiot. Enfin, c'est surtout esthétique. Sinon c'est la même fonction. Là il y a un repère pour avoir la moitié de l'ardoise en plein milieu. Et du coup on met l'ardoise à l'envers pour que ça fasse l'éclat du bon côté. Sinon au début j'ai commencé à couper à l'endroit. Et du coup il y a une face où l'éclat est pas dans le bon sens. Il m'a conseillé de mettre des vis à placo plutôt que des clous. Et par contre faut taper dans l'ardoise, ça peut la casser, faut pas se louper. Et l'histoire c'est qu'avec les vis à placo, bon elles sont noires, ça c'est cool, et c'est facilement vissable, dévissable beaucoup de fois sans casser l'ardoise. C'est moderne. Donc des 3,5 par 35 là. Pour que ça puisse dépasser un peu du complètement dans le litho et un peu de l'ardoise. 25 mm ça aurait été trop juste. Sinon à part la machine, on peut utiliser une enclume. Évidemment dans le bon sens hein, toujours. On pose ça là. Et avec le marteau de couvreur, cette partie là coupe. Et du coup on fait un truc comme ça pour couper l'ardoise tout le long. Bon je sais pas faire moi. Ça risque d'être une catastrophe. Sinon en outil plus moderne on a la pince. Ça au moins c'est abordable. Par contre le marteau là il est pas forcément très très droit ni à l'air très solide. C'est un peu dommage. Donc ce côté là coupe l'ardoise. Évidemment il faut couper l'ardoise à l'envers. Et là ce truc là poinçonne. Bon bah ça on poinçonne par contre à l'endroit. Pareil que pour poinçonner l'ardoise avec le marteau, on utilise ce côté là. En moderne aussi on a la ventilation de la toiture. Bon, celle-ci est en plastique. Va falloir aussi refaire la cheminée. Donc il y avait un conduit ici maçonné en pierre, hein, pour un feu de Cantoue, typique de la Corrèze. Sauf qu'ils ont, ils ont rénové au ciment, ça n'arrêtait pas de fuir. Ils n'ont jamais réussi à stopper la fuite. Donc ils ont tout détruit et recouvert par-dessus. Chat zincri officiel.
Tu vérifies les soudures? Là, j'ai grignoté le dessus à la petite tronçonnette. Et pour protéger au maximum le faîtage, une bandelette d'écran sous toiture. Et du coup, ça devient une bandelette d'écran sur toiture. Salut les bâtisseurs! Bon, ça y est, aujourd'hui, je pose la cheminée. Donc, faut que je coupe là, et ensuite, couper l'écran sous toiture avec le cutter. Bon voilà, j'ai remonté tous les tubes. Va falloir que je les glisse un par un dans la cheminée. Et je vais utiliser ce support pour me faire des bras supplémentaires. Donc là, j'ai réussi à passer deux longueurs de zinc inox. C'est surtout difficile de passer ça parce qu'il faut bien ouvrir tout le support. Donc il ne reste plus qu'un zinc inox et un inox complet. Ah, voilà, enfin. Ouf. La petite goupille de sécurité, et voilà, ça bougera plus. Donc plus qu'à le pousser gentiment. Voilà. Ah, bah j'ai cassé le petit trépied.
Consommation. 3 longueurs de tube. C'est un peu plus que des 1 mètre. Je crois que c'est des 1,20 m. Voilà, impeccable. On est à plus grand chose. Donc je pense que j'avais bien calculé la longueur. Voilà, c'est arrivé en bas sur les étaines maçons. Je pense pas que je vais pouvoir laisser cette fixation. C'est pas fait pour ça, c'est fait pour mettre en dessous des chevrons et pas sur les litos. Ou au pire des cas, je peux racheter un tout petit bout pour le descendre davantage. Je mettrai une fixation comme ça, bien de niveau. Et puis ensuite, ce sera du tube non isolé pour la cuisinière à bois. Et ça va être génial. C'est vraiment pas mal. Alors là, il faudra mettre la petite collerette avec son petit joint que je vais pas mettre tout de suite parce qu'il faut d'abord que je mette les fixations. Voilà, j'ai posé la fixation. Donc juste un petit coup de perforateur et un goujon d'ancrage comme ça. Il suffit de souffler un peu le trou et de le taper au marteau. Là j'ai mis 2 écrous pour que ça tienne mieux, mais bon, c'est pas nécessaire. Je découperai peut-être un peu plus l'écran sous toiture avant de mettre le solin et voir pour une étanchéité en zinc éventuellement. Là c'est un peu sale à cause de la tempête de pluie et de sable. Bon, ça va, on n'a pas eu beaucoup de sable. Faut pas oublier d'enlever les étiquettes au fur et à mesure. Non, c'est ridicule. Coup de bol, ça s'enlève vachement bien. Voilà, bon bah je vais continuer les rives. Voilà, ça a avancé un peu avec l'aide de mon collègue couvreur zingueur. La cheminée, c'est bon, c'est posé. Sur les côtés, les ardoises reviennent par-dessus. Et là, c'est juste un litho pour mettre le faîtage en zinc par-dessus. Ce sera impeccable. Ouais, la qualité des ardoises est à discuter. Elles sont souvent très tordues, cassé dans les angles, il y a un peu de rouille, des fois fendu, mais apparemment c'est assez difficile de trouver des bonnes ardoises.
Enfin, c'est dommage parce que ça fait un peu cher pour pas vraiment la bonne qualité que j'ai payé. Après, niveau fonctionnalité, c'est pas grave, ça marche très bien. Ça donne un effet très très rustique. Le plus dur dans l'histoire, c'est pas de couvrir, ça se fait très rapidement. C'est assez facile une fois qu'on a compris. Le plus dur, c'est de remonter les ardoises. Et là, j'ai triché un peu. Normalement, on met un crochet clou ici et pas un crochet par-dessus. C'est pas grave, on va dire qu'on n'a rien vu. Trois chatières posées ici. Donc finalement on a changé les plastiques contre des zincs, mais bon, leur forme est beaucoup mieux, puis ça va être beaucoup plus fonctionnel. Les autres auraient peut-être eu des problèmes d'étanchéité et de toute manière elles allaient trop profond. Donc ça consiste à couper deux litos au dessus, couper un petit bout de l'ardoise d'en dessous, deux crochets normal, mettre une demi de chaque côté avec le petit chanfrein, une grande de chaque côté avec le petit chanfrein, et là faut faire des petites découpes toujours avec chanfrein mais qui passent par-dessus le triangle, et en dessous il y a un tout petit bout d'ardoise qui est mis sur le premier litho. À chaque fois le tout est vissé et ensuite on reprend comme avant. On sait pas complètement évident. Pour le fêtage, on coupe des grands chanfreins sur les côtés, ce sera pour visser un doubli au milieu là. Et faut planter un crochet clou à peu près par ici. Faut mettre le deuxième crochet à côté du premier. Et donc ça tombe ici. Impeccable. Et là ce bout de bois, c'est toujours pour mettre le fêtage en zinc par-dessus. Donc il n'y a plus qu'à, il reste juste une chatière à mettre par ici. Il y a déjà tous les traces et tout. Et à couvrir tout le reste. Allez au boulot. C'est un peu triché. Pour laisser passer juste un doubli là. Doubli qui dépasse juste de 6 cm à l'égout.
faudra mettre les crochets sur la ligne. Et pareil pour l'autre ligne qu'on voit à peine là. Et comme ça, l'ensemble est à peu près droit. Ça, faut pas les mettre. Salut les bâtisseurs! C'est dimanche, ça avance. Je pense que c'est bientôt fini. J'espère. Faut que je mette la quatrième et dernière chatière. Avec un vent glacial. Et c'est quand même mieux que la pluie. Donc faut la poser à peu près par ici. Mais que ça, de telle sorte que ce soit par-dessus une petite ardoise, que ce soit bien ajusté. Alors du coup, il y a les deux litos là à couper. Mais je vais voir d'abord avec les ardoises autour comment ça fait. Ils sont pas mal du tout ces petites chatières en zinc. Ardovan. Ardovan. Une petite grille anti-insectes, ça a l'air d'être du solide, assez étanche, pour une trentaine d'euros, donc c'est vraiment pas si cher pour un truc de ce type. Il y a la coupeuse de haute faîtage qui est pas mal, un peu moins onéreux que la grande carreleuse. Sinon la pince qui dépanne quand même pas mal. Voilà, la chatière elle arrive là. Mais ici, c'est pas du tout étanche. Et non. Et non, non. Donc par-dessous, faut y placer une petite ardoise. Et là, c'est étanche. Mal. Thank you.
là, faut juste remettre un petit bout par-dessus pour l'étanchéité, mais le couper à la hauteur du litho, du premier litho. Et après, il y aura enfin les grandes découpes. Ça, c'est le gabarit. Le gab. J'ai juste oublié le petit écormage ici que j'ai fait là. Et ensuite, il n'y a plus qu'à finir d'ardoiser. Je vais essayer de faire ça par le dessous, c'est-à-dire monter les deux lignes. Et ensuite rattraper par le dessous en écartant un crochet. Allez, il n'y a plus grand chose. Évidemment, il me manquait 6 ardoises pour faire le haut. C'est extrêmement rock'n'roll.